J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement super bien, j'espère que... Eh ben on va pouvoir continuer notre inventaire. Notre mode pack à nous. Du coup, vous avez pu voir un petit peu actuellement ma barre tout en dessous, elle est ultra XXL. Alors tout simplement ça reprend cette partie là et cette partie là. La partie là en fait n'est pas comprise dedans. Pourquoi? J'ai rajouté un mode qui est dual bar. En fait, dans les configs, ça vous rajoute en fait une barre au-dessus de 9, si vous voulez. Donc vous pouvez interchanger en maintenant le contrôle et la molette. Ou sinon, vous avez la config totale de 18 crans, donc c'est-à-dire toute la barre du bas. Moi, je préfère toute la barre du bas. C'est nettement plus simple. Bon. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu vos trucs, oui, bah oui, lol, vos commentaires concernant l'épisode et le son. Alors, le son, il n'y a toujours aucun problème, donc ce que je fais maintenant, j'augmente le son depuis Premiere pour que vous ayez un son de plus fort par rapport à d'autres. Donc je ne comprends pas, c'est depuis que je suis passé sous Windows 10, ça merde un peu. Je ne repasserai pas en dessous de Windows, pourquoi? Parce que j'ai eu l'info, j'ai eu des infos avec, je ne sais plus qui déjà. Mais en fait, il y a une partie de Linux qui va arriver sur Windows. Donc ça va être très important pour nous qui gérons des serveurs sous Linux, sous Ubuntu, Debian, etc. Donc du coup, je resterai quand même sous Windows 10. J'ai contacté Corsair aussi concernant ce problème de son. Ils savent pas d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce que c'est ma carte son, ma carte mère qui a un problème? Ce qui est fort probable d'ailleurs, mais bon, je ne peux pas la changer à moins que vous mettez de la YouTube monnaie dans le coin. Sachant qu'elle n'est pas très nombreuse non plus. Donc voilà, un petit peu actuellement. Concernant le Torcherino, en fait, il y a déjà un mode Torcherino dans le pack. C'est au moment que je voulais le mettre, en fait, il y a déjà Torcherino dedans, donc du coup... Salut. Du coup, je le rajoute pas. Voilà, je me suis fait également la rapière, hein, comme vous avez pu voir dans l'ancien épisode. Elle est quand même bien, elle attaque que deux cœurs, certes. Il faudrait que je lui mette du quartz dessus. Est-ce que j'ai des modifiants? Je ne pense pas que je puisse la rajouter. Est-ce que j'ai des modifiants? Non, j'ai pas d'autres modifiers, donc il va falloir que j'en rajoute. Bon, c'est pas très grave, pour l'instant ça patientera comme ça. Du coup, au niveau de notre quête... Oui, maintenant pour scroll, ça va tellement plus loin maintenant. C'est ça que je trouve cool. Au niveau des quêtes, alors le knapback, je l'ai toujours pas fait parce que je ne vois pas l'utilité, mais il faudrait quand même que je le fasse. Mais il faudrait vraiment que je le fasse en fait, le knapback. Hein. Un knack, voilà. Comme une knacky mais en version pack. Donc il me faut des tool fraud. Les tool fraud se font. Alors ça c'est j'aime bien parce que je peux toujours pas les prendre. Faudrait que je me prenne des steaks quand même sur moi parce qu'en cas de problème je puisse avoir tout ce qu'il faut. Et pour l'instant je n'ai absolument rien de tout ça. Flint, ce n'est pas ça, je ne veux toujours pas ça. Je vais aller faire dodo un petit coup, tiens. Ça va faire passer l'ennui. Et là-dedans, c'est tout ce qui est minerai. Ok. Donc, je vais aller là, je vais aller là. Concernant Tinker, je sais que vous m'avez dit que, en fait, il faut mettre de la cobalt dedans pour accélérer la série de briques. Cependant, vu la hauteur du truc, j'ai largement ce qu'il faut par rapport aux épisodes. Donc du coup, j'en vois pas forcément l'utilité d'en refaire. Il me faut une tool fraud qu'on fait en version... ah oui, c'est 3. En version stone. Comme ça, ça je vire. Il va falloir que je passe en mode gold. Moi j'ai du brass, non j'ai pas de brass, donc du coup on restera côté gold.
On a un petit blitz en dessous là. J'irais bien faire un petit nettoyage des fois. Et ensuite, nous allons passer à l'iron, sachant qu'il nous en faut deux, plus un lingot d'or pour avoir ce knack-knack. Et l'avantage de la hotbar, cette version-là, c'est que bah voilà, je peux faire pas mal de choses, je serai tranquille niveau espace correctement, donc ça c'est plutôt un bon point. Hop. Sauf au niveau de l'inventaire, en fait c'est juste de la base, des trucs de base. Donc du coup, c'est pas très grave. Il me faut un lingot d'or, donc ça c'est pas très grave. Tac, un lingot d'or que je mets au milieu, et du laser autour. Donc, sachant que j'ai pas de cuir ici, est-ce que j'en ai chez moi? Tiens, c'est une bonne question. J'en ai pas ici. Non. Eh, j'ai toujours pas de laser. Oh. Oh fuck. Faudrait que j'aille buter des vaches. Est-ce qu'ils ont pas des... Parce qu'en fait, avec Botania, on peut faire du cuir. Mais je n'en ai pas sous la main. Et des vaches dans le coin, j'en ai pas vu. Il n'y a que des moutons. C'est ça qui est un petit peu con, c'est qu'il n'y a que des moutons. Et les vaches ne sont pas forcément très présentes dans le coin. Voire pas du tout d'ailleurs. Bon bah du coup, en tout cas c'est pré-préparé. Pré-pré-préparé. Et lui il commence vraiment à me saouler, donc je vais aller lui botter le train. C'est où qu'on entre? C'est là. Ah non, c'est pas là. Bon. J'aurais tenté ma chance. C'est où qu'on entre? Je sais qu'il y a une entrée quelque part. Ici? Non. Oh. Oh shit. Il y a bien une entrée, mais alors où? Ah, peut-être là. Salut toi! Ah cool, en plus on a ce qu'il faut. Alors du coup je vais éclairer un peu la zone hein, parce que bon. Ah je savais bien qu'il y avait une zone d'entrée ici. Ok, elle est plus basse que je ne pensais, mais il y en a une. Bon bah ça va. Hop. Voilà, elle était juste en dessous de l'autre. Bon, c'est pas la mer à boire, mais bon. C'est bon à savoir. Donc du coup, bah c'est bien parce qu'en même temps j'ai une Blitz Rod qui nous servira à faire du cryotherium plus tard, éventuellement, mais pour l'instant je n'en ai pas forcément besoin. Ah, boule de neige, on peut la mettre là. Du coup, le gold, little Rod, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, du fait que le knack-knack on peut pas le faire, on va aller dans Magical Groove, on fera du botania juste après. Là, il va nous doubler quoi une quête qui nous permet en fait de crafter tout simplement une Weak Infusion Stone et qui va nous redonner des Azacio Essence. Donc la Weak Infusion, Weak Infusion, hop, c'est tout simplement. Attends, c'est moi, je viendrai. Ah oui, d'accord, c'est un mélange de minerais. Un bloc d'or, de l'émeraude ou du diamant avec des essences autour. Sachant que niveau émeraude, on est un petit peu tranquille. 7-8. Vu que les petits cocos de villageois nous donnent tout ce qu'il faut. Hop! J'ai ma wick. Alors, la wick, à quoi elle sert? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on a fait notre quête. Ensuite, il nous demande de crafter des acacio essence. Acio essence. Acio essence. Les acio essence se font avec cadre. 4 essences et une wick au milieu. Alors 8 x 4, 32. Autant faire les choses bien directement. Hein. Hop et hop. Ok, en plus elle la consomme. Donc du coup on a 8 essences. On en reclame et ça en fait 4. Ah, ça nous rajoute en tout cas pas mal de choses concernant ceci. L'acio et Apple nous donne un buff. Alors, ça nous nourrit. Un autonome de nutriments value. Speed 2 pendant 3 minutes. Et c'est tout. Ok. Speed 2 pendant 3 minutes. Et ça nous nourrit un petit peu. Bon. Ouais, j'adore le craft, il n'est pas craftable. J'adore ce genre de système. Mais bon, on sait très bien comment ça, on s'en sert. C'est juste
en faisant un petit clic droit et en entourant le truc, voilà. Donc pour l'instant, on a ce qu'il faut. Il nous faut du bleu d'essence, donc il faut un bleu d'altar. Bon, pour l'instant, on ne frappe pas. Dominican First. Ok, alors, l'acacio essence infused, il faut débloquer la recherche qui se fera dans Tomcraft. Donc ça, on y reviendra juste après. Et de infusé d'acacio essence, if mana give. Ok, et l'acacio essence, celle-là, il faut l'infuser. Donc il faut mettre en fait la petite bouboule là dans du Botania. Donc on a un petit peu tous les mélanges de modes. On a Botania, on a Blood Magic, on a Tomcraft. Donc on peut faire pas mal de choses. Et il nous demande ensuite de crafter la Regular Infused. On va directement passer à Infused Stone. Regular. Voilà, la Regular. Il va falloir beaucoup de choses. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien que je fasse ça tout de suite. Il faut clairement dire les choses. On ne pourra pas faire ce qu'il faut. Speed. Oh, ça nous permettra de faire du speed. Alors, Groove Pulseur. Groove Pulseur. Oh yeah. Excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Oui. Alors, par contre, c'est un petit peu cher. C'est légèrement un peu cher. Surtout que j'en ai pas beaucoup. Et ça me demande un diamant. magnifique. Ça me demande en plus un diamant. Eh ben, si avec ça, j'ai pas fini. À mon avis, on va devoir passer à des modes un petit peu plus complexes. Éventuellement par la suite. Hop. Alors, je fais ça pour éviter que les zombies me bouffent mes villageois. Ça serait un petit peu con qu'ils me les bouffent. Ah, j'ai une seed. Ah bah. Oui, je suis con, en même temps je suis en train de péter les sites, donc forcément je vais en avoir. Ouais, j'ai une seed en plus. Oh, c'est magnifique. J'en ai 16. 9 et 9, 18. On va pas aller loin avec ça. 1, 2, 3. Il faudrait que limite je coupe les bûches là, je remets de la terre et je fasse ce qu'il faut afin de bien pouvoir bah, tout simplement pouvoir replacer de la terre sur les côtés. Sachant que je pourrais limite remettre encore de la terre là, parce que l'eau se fait 1, 2, 3 et 4. Donc éventuellement je peux rajouter ce qu'il me faut pour avoir toutes les ressources de terre. Bon, c'est pas plus mal, en même temps on va faire ce qu'il faut. Hop. Alors du coup, je vais aller chercher ma petite terre. Alors, ma petite terre, bonjour. Hop. Ouais, bah, je vais tout prendre parce que je ne sais pas combien il m'en faudrait. Je crois que c'est 12. Ah, 14. Bon, bah ça va, j'étais pas très loin. A pas écrit craft. Hein. J'étais en train de vérifier. Hop, on a mis notre essence ici, comme ça, elle va y aller tranquillou. Je vais regarder dans un coffre si j'ai pas de l'essence encore. Ce qui serait plutôt avantageux si je devais en rajouter une. Ouais, j'en ai une. Et j'ai encore d'autres graines. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais effectuer d'autres seeds. Je vais les planter ces seeds-là. Afin d'en avoir un peu plus. Encore et encore et encore. Hop, hop. Voilà, c'est magnifique. C'est tout beau, c'est tout joli. Bah comme ça se fait tranquillement. Tac, je vais juste manger ma petite bouffe. Ça, c'est super bon de la bouffe. Et du coup, je vais être tranquille. Alors, maintenant, ceci étant fait. Et comme vous aimez bien cette série également. Ça, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup cette série. Et je vous en remercie énormément. Du coup, on va continuer ce qu'il faut. La wick, je vais la mettre là. J'en ai pas dans l'immédiat besoin. Tac et tac. Alors, du coup, au niveau des quêtes. Bon, sachant que ça, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Il nous demande de faire tout ce qu'il faut ensuite. Donc, pour l'instant, on va pas faire ce qu'il faut.
Ça, je vais pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu long à tout faire. J'ai Toilette Forest qui fait en sorte que ce summon ne peut être fait dans cette version. Il y a eu un bug, il faudrait qu'en fait je me le fasse moi-même. C'est au niveau des logs, j'ai pas mis à jour de mon côté parce que j'ai pas envie de tout refaire, tous les mods et ainsi de suite. Donc du coup ça ne sert absolument à rien que je le fasse dans l'immédiat. Du coup on va faire du Botania, on va faire un petit Botania. Donc ce qu'on va faire, Botania, hop, on va chercher un mana pool, donc c'est la Living Rock. La Living Rock, je vous garantis tout de suite que nous en avons en stock. C'est ça l'avantage, c'est que nous en avons énormément en stock. Hop, et ça nous donne une autre mana pool et un mana steel. C'est magnifique. Et ici, il nous demande de crafter de la mana steel. Alors, ce qu'on va faire, sachant que c'est un petit peu chiant de crafter notre première mana, déjà, il nous faut un petit peu, en fait, le livre de Botania. Le livre de Botania se fait avec un bouc. Et pas la chèvre, hein, le bouc. Et une sapling d'un arbre quelconque. Voilà. C'est magnifique. Hop, 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 et hop. Voilà. Comme ça, je pourrais l'avoir ici. Oh. Rustic logical et théologique. Ah, merci pour les feux d'artifice, c'est tout mignon. Donc, maintenant que nous avons ça, hop, on va créer notre première partie de mana, qui est les Day Bloom. Bien sûr, vous pouvez les infuser pour éviter qu'elles crèvent. Les Day Bloom se font à partir de Pétale Apocalypse, Apothécary, qui est de la cobble, des petites pétales et des slabs. Cobble. Est-ce que j'ai des fleurs de Botania? Oui, j'en ai. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Toc toc. J'ai du verre. Et j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. En parlant de ça. D'ailleurs ça, j'en ai pas beaucoup. Il faudrait que je me fasse une petite tour à mob aussi. Mais j'en ai pas dans l'immédiat. Hop. Hop là. Oups. Pétale. Donc hop on la recette et nous demande de mettre du jaune et du orange. Sachant que je n'ai absolument aucune de ces couleurs, ce qui est un petit peu embêtant, il faut dire ce qui est. Oh, ça bug un peu. Du coup je vais être obligé d'aller en chercher de droite et gauche des fleurs de Batania. Donc du coup je vais faire une mini ellipse histoire d'aller recueillir un petit peu tout ça. Donc, bah tout de suite. Bon, religion, du coup, bah moi je suis en train de faire mon petit tour un petit peu de tous les villages pour récupérer en fait des fleurs à gogo et tout ce qu'il y a justement dans le sac. J'ai pu récupérer quand même pas mal de choses, je suis plutôt content du tomium que j'ai trouvé là-dedans. C'est magnifique. Et une chose à savoir aussi, c'est que évitez de vous approcher de ces messieurs tant que vous n'êtes pas forcément stuffé ou vous êtes en mode protection shield. Comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec eux. Donc, je vais essayer de m'approcher tranquillement avec eux. Youhou. Youhou. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt. Ta 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 ta. Oh oui, tu m'as mis une droite, hein. Tuc tuc. Hop. Bon, l'avantage c'est qu'une fois qu'il vous loot des choses, c'est pas mal aussi. Ou des épées, c'est pas mal aussi. Bon, c'est plutôt de la merde comme épée d'ailleurs, mais bon. C'est toujours important. Ah bah lui déjà il m'a looté quelque chose d'un petit peu mieux. De l'essence. Et oui, maintenant. Bon, enfin bref. Je vais toujours essayer de me défoncer ce genre de mob. Sauf quand c'est eux qui s'attaquent. C'est pas cool. En plus ça flamme.
Je vois rien à cause de ces flammes. Putain, c'est chiant. Bon, commencez à me saouler, vous. Oui, madame, je vous propose. Le truc qui sert absolument à rien. Bon, bah voilà. J'aurais voulu bien me modifier pour mettre du quartz, mais bon, là... Et on va se calmer. Voilà. Bon, bah voilà. Oh, il m'a looté le livre. Oh, magnifique. Alors, le livre, là, c'est tout simplement pour nous permettre, tout simplement, de pouvoir accéder dans le monde complètement dangereux pour Tomcraft. Voilà. Sinon, bah, je retourne à la maison pour pouvoir commencer un petit peu du Botania. Yo les gens, du coup on continue tranquillement la petite série, donc je suis rentré, j'ai tout simplement remis l'ancienne version de la barre, parce que elle est très chiante l'autre finalement, elle est vraiment très chiante. Et puis avec leur porte j'ai envie de les exploser. Du coup, alors ce que ça donne, c'est que je les ai tous convertis, les petites cocottes là, je les ai tous convertis afin de bien pouvoir commencer Botania correctement. Je suis du coup revenu à l'ancienne version, putain ça marche pas non plus ça. Ça me fait un peu chier, en fait j'essaye de trouver un bon petit moyen qui peut être très sympa, sans pour autant que ça me gâche une vue, donc il y avait ça. Ça c'est plutôt pas mal, comme ça je peux mettre mes objets là-dedans, mais tu vois, et on peut y accéder quand même ici. Bon, c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va générer notre première mana. Du coup, on va devoir faire des déblooms. C'est deux jaunes, une orange, une light blue. Deux jaunes, une orange et une light blue. D'ailleurs, ok, c'est très bien, j'ai pas deux jaunes. Ah bah c'est magnifique. Du coup, je vais... On va faire déjà le knackpack, le fameux knackpack que je devais faire depuis longtemps. Heureusement, merci les vaches pour faire ceci. Hop, donc du coup, bah ça, c'est magnifique. Hop, hop, tinkerer, je l'ai fait. Des locker 2 ou des knowledge fragment. Plus prendre des knowledge, c'est nettement plus avantageux. Et je me mets ça là. Les knowledge, je peux les ramasser. A savoir une chose avec Ristrabiomixel, c'est que les Z-glace là, c'est des colorants en vert qui peut être intéressant si vous voulez en récolter facilement sans passer par les cactus. Voilà. Les petites plantes se font tranquillement. Du coup, bah ici, ça va pas débloquer. Botania, ça a débloqué le pétale apocalypse et ça m'a donné des... ah, les salopes. Bon, bah, je vais choisir cela. Hein. Ça m'a pas donné en fait celle que je veux. J'aurais voulu en fait qu'elle me donne des jaunes, mais je n'ai pas eu les jaunes. Et on a des copper large plate. Alors ça, les copper large plate, l'avantage c'est que si on veut le refaire fondre du coup, bah ça va nous donner 8 de lingots, 8 lingots de copper en plus. Donc c'est plutôt un bon point. Pourquoi j'ai un tooth fraud encore? Bon tant pis, je vais le faire fondre, c'est pas très grave au pire. Du coup, il nous demande de faire une pure daisy. Bah évidemment, la pure daisy, naturellement, on peut la faire, qui est ici. Voilà, c'est que du blanc. Bon, c'est l'avantage, c'est que je peux avoir que du blanc avec. Du coup, tac, je vais mettre une petite dalle ici, parce que j'en ai marre de tout le temps. Hop, j'ai pas de charbon. Genre j'ai pas de charbon. Ouais, j'ai pas de charbon. Ah si, j'ai du charbon. J'en ai marre tout le temps en fait de devoir fermer la porte et ainsi de suite alors que je peux le faire manuellement, voire automatiquement. Ce qu'il me faut maintenant, c'est que il me faut des graines, donc je vais en prendre deux. Pourquoi? Vous allez savoir tout simplement rapidement.
Je suis con en plus, j'avais de la stone en plus quelque part. Voilà, j'ai même de la stone ici, je suis obligé d'en reprendre ailleurs, c'est fou, hein. Hop. Oui, pouvoir faire ça. Du coup, alors, ce qu'il me faut, bah, c'est la pure, c'est ça. C'est le pétale d'apocalypse. Tuc, tuc, tuc. Ce que je vais faire, sachant qu'il me faut une source d'eau infinie. L'avantage. Ah oui, c'est vrai, je m'étais fait un petit chunk loader ici. Ce qui est tout à fait normal, c'est pour charger un petit peu les chunks. Ce qui est tout à fait normal. Hop. La maison ne ressemble vraiment plus à rien, c'est pas grave. Hop. Donc ce que je fais, ça va être un petit peu chiant en fait. Tac, je vais me mettre là. Hop. Donc c'est tout simplement pour prendre de l'eau en mode infini parce que ça bouffe énormément d'eau. Ce que vous faites dedans, vous balancez 4 pétales comme ceci et vous dites sur voilà en fait, vous rajoutez une graine et vous obtenez une pure daisy. Voilà. Moi je fais en deux. Pourquoi? Parce que je vais en avoir un pour la cobble, bah plutôt la stone. C'est pour ça que on va plus faire cuire un bon stack de cobble afin de bien pouvoir préparer tout ce qu'il nous faut. Il nous faut également du bois, du vrai bois, pas du bois de merde. Cependant, le vrai bois, bah, il va falloir que j'aille le planter. Donc, hop, on va faire. Alors, vous voyez ce genre de ce type de bois, ça ne fonctionne pas. C'est de la merde, c'est purement de la merde, donc du coup je serai obligé d'aller me chercher de la terre et de me faire un petit champ d'arbres comme il faut un petit peu plus loin. Et notamment je vais devoir raser un petit peu ça parce que c'est moche et il me faut de la place. Du coup le petit champ de ça, je vais le foutre là. Alors, j'espère qu'en tout cas il va bien pousser. 12. Voilà, j'en ai 8. Voilà. Tac et tac. Comme ça c'est bon, c'est tranquille, c'est tout fait. Ensuite, ceci étant fait, je vais devoir avoir besoin de terre. Pour ça, l'avantage qu'il y a de la terre un peu partout. Hop. D'ailleurs, en parlant de terre, il y en a quand même pas mal. Hop, de la cobble que je mets en mode YOLO. Je mets une petite torche pour éviter que ça spawn en dessous. Voilà. Voilà, comme ça c'est beau, c'est tout correct, c'est magnifique. Ce qu'il me faut maintenant, c'est une petite zone où je puisse poser mes premières bouboules. Je sais pas pourquoi je ramasse de la neige, mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais, tiens, par exemple, je vais... tiens, oh bah, c'est magnifique. L'avantage, c'est que vous posez en fait... une pure là-dedans. Tac, sur de la terre. Et vous attendez. Ça fait des petites particules, c'est tout mignon, c'est tout magnifique. Et vous faites la même chose pour ici. Bon, évidemment, quand il y a de... est-ce qu'il faut, c'est pas bien. Vous faites la même chose, tac et tac. Voilà. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'au bout d'une minute, ça va transformer toute la stone en living rock. Et toute la... au niveau des arbres. En plus, ça a poussé, c'est magnifique. Ça va faire... Oh, il est beau ce truc. C'est quoi? Alpine, ok. Alpine biome. Hop. Bon, l'avantage, c'est que ça dépop tellement vite, ça. Voilà. Hop, c'est magnifique. On va attendre que notre première se fasse. Je sais pas où elle est. Elle est là. On va attendre un petit peu que tout ça se fasse, tranquillement. Donc ça prend moins d'une minute, ou ça prend une minute tout simplement, ça va transformer en fait, voilà, hop, vous avez vu, en living rock. Hop, et hop. Ensuite vous mettez votre bois en inclinaison, c'est toujours magnifique.
Et vous attendez que tout ça se passe tranquillement. Que ça aussi se fasse. Hop. Voilà. Et je vais la mettre ici. Tiens. Hop. Tuc. Voilà, comme ça va vraiment tout transformer. Ça va être magnifique. Ici, je peux le virer, du coup. Je peux virer ça. Je vais pouvoir mettre de la cobble. C'est juste pour le côté YOLO. Ça, je m'en fous, c'est dégueulasse comme tout comme bloc. Le marbre, YOLO. Ah oui, on marche sur les plaques, hein. Eh bah oui, hein. Eh bah oui, ça court dans tous les sens. Et on va attendre que notre living wood se fasse. Est-ce que... D'ailleurs, je pourrais littéralement couper en fait les... Les petits bois ici, hein, des maisons. Sachant qu'il n'y a personne dans celle-là, donc autant s'amuser à les retirer. Hein. Hop. Voilà. Voilà, j'en ai 16. Hop, c'est magnifique. Vous avez vu? Oh, de la living wood. Et ensuite, vous le récoltez à la mode hache. Et bah ça, la living rock à la hache, à la pioche. Et ensuite, vous refaites le même principe. Tac, tac. Vous pouvez en mettre deux. Alors, vous inquiétez pas si ça fusionne, c'est juste Optifine qui fait le système là. Ce qui est tout à fait normal, ou sinon c'est Extra Biomixel qui fait ce genre de motif. Une fois que ceci étant fait, on regarde déjà au niveau des quêtes. Il nous demande d'avoir de la Living Wood. On n'en a que 5, donc vous voyez, j'ai bien fait finalement de faire ce qu'il faut. Et en même temps, en Reward, ça vous redonne 2 pures Daisy. Donc, en même temps, vous êtes gagnant. Donc on attend que tout ça se fasse, ça passionne tranquillement, tranquillement. Ici ça pousse tranquillement aussi. Toc toc toc, ouais, ça va, ils y sont bientôt. Voilà, notamment avec la barre, hein, vous voyez, c'est qu'on retrouve ses habitudes très facilement parce qu'on est habitué en fait à la petite barre, mais pas à la grosse barre. Hop. L'avantage, vous voyez, c'est que ça se transforme très rapidement. Voilà. Ceci étant fait. Du coup, on peut claim. On est content. Il nous demande ensuite de faire une Wand of the Forest. En plus, ça nous donne de Living Wood et en même temps, des Knowledge. Donc, on en fait. Alors, il en faut 3 obligatoires. C'est pour faire notre petit manche. On en met 2 comme ça et on va chercher 2 blancs. Parce que je trouve ça classe. Et voilà, ça nous fait une Wand the Forest. Ensuite, on peut claim. Hop, ça nous redonne 2 knowledge fragments. Vous faites un clic droit, c'est juste du Tomcraft que vous avalez en fait. Tout simplement. Salut zombie, ça boum. Et voilà. Donc, ensuite, il nous demande de créer notre premier mana spreader. Notre mana spreader, comment ça se craft? C'est tout simplement, vous mettez du wood comme ceci. Vous mettez une pétale de n'importe quelle couleur. Oui, forcément, si je ne mets pas dans la bonne table de craft, ça ne va pas le faire. Wood, wood. L'optez là, et vous mettez votre gold. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Votre mana spreader. Hop. Ensuite, je vous donne... Oh, là, des blooms. Un bag ou knowledge. Je vais juste sélectionner déjà notre première en fait des blooms. Passive generating. Celle-ci, en fait, il faut que je la repasse ensuite soit comme ceci. Donc il faut des pasture seeds, donc il faut déjà de la mana. Sachant que je n'en ai pas dans l'immédiat, bah on va attendre. Comment t'es monté toi? On met. Genre il est déjà monté lui. Je sais pas comment il a fait mais il a monté. C'est chelou. Ah peut-être d'ici qu'il a pu. Non, pas non. Bah c'est bizarre. Du coup, donc ce qu'on va faire, c'est que là vous avez là votre mana. Et cette mana, bah, je vais tout simplement mettre déjà un mana speeder. Donc en fait la mana speeder va faire en sorte que
Quand vous déjà vous bindez, vous faites un shift clic droit et un shift clic droit, ça va orienter. Vous avez vu le bloc, il n'est pas totalement à l'horizontale, plutôt à verticale. Donc du coup, ça va faire en sorte que ceci va envoyer son mana là-dedans. Hop. Et par derrière, c'est ça qui est l'avantage, c'est que vous faites votre petit coin de Debloom. Alors le Debloom, c'est vraiment la première fleur qui fait en sorte que vous générez de la mana. Et cette Debloom, une fois qu'elle est là, déjà vous mettez de la terre et vous mettez votre Debloom au milieu. Hop, pour faire style. Et ensuite, certaines fleurs ne veulent pas faire en sorte qu'ils puissent se cibler. Donc shift clic droit, shift clic droit. Voilà. Et comme ceci, en fait, cette Debloom, en fait, elle va générer grâce. Déjà, il faut qu'il y ait une vue globale sur le soleil. Mais également, c'est qu'elle va générer tout simplement de la mana quand il fera jour. Donc, comme le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Ça va générer de la mana. Et cette mana va partir ensuite dans la mana pool. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, déjà, on va se laisser ici pour le premier épisode. Ce que vous faites, si vous voulez faire le pack, vous prenez un lingot de fer, vous attendez que vous ayez assez de mana là-dedans pour envoyer l'iron dedans et tout simplement avoir votre premier lingot de mana steel. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous bisous. Ça génère? Oh, ça génère très peu. Oui, ça génère vraiment très peu d'ailleurs.